Et salut à toutes, salut à tous les amis, c'est Roro945, j'espère que vous allez bien. Et nous nous retrouvons pour l'épisode 8 sur Batman Arkham Knight. Dans la dernière vidéo, nous avons pisté le chevalier d'Arkham. On est passé à la tour Wayne, on a triangulé, enfin je crois que c'est ça qu'il a fait, hein. On a triangulé un petit peu. Suivant la voie du chevalier d'Arkham, et on a triangulé sa position. Et c'est là que nous sommes. On a fait une petite bagarre. Et puis là, eh bien, on va aller tenter de sauver Barbara. Alors attends, parce que là, il y a des voitures. Alors, je sais pas, mais dans le doute. Dans le doute. On va détruire tout ça. On va aller ouvrir, évidemment. Ah. Radar thermique ne détecte qu'un corps, celui du conducteur. Aucun signe de Mademoiselle Gordon. Il sait où elle est, Alfred. Il ne doit pas m'échapper. Cette voiture va nous mettre en pièces. Il a eu une autre voiture. Faut pas qu'il nous touche. Bien joué. Le conducteur n'est pas le chevalier d'Arkham, mais il saura où je peux le trouver. Qu'est-ce que ça te fait de t'être trompé de cible? Où est le chevalier d'Arkham? Tu le trouveras pas. Tu crois que je ne savais pas que tu essayais de trouver la source de mes transmissions? Retiens la leçon, Batman. Je sais comment tu penses. Ce qui veut dire que je sais comment te battre. Où est-il? Avec Barbara Gordon. Elle est à nous, maintenant. Tu imagines ce que le chevalier va lui faire vivre? Mais qu'est-ce que tu fais? Quoi? Non, fais pas ça!
Ah, je te touche pas. Tu sauras pas où il est. Je vais parler, je le jure. Où est-il? Il est allé voir le petit gros, le pingouin. Ah, c'est lui qui fournit les planques pour l'attaque. Le chevalier est allé le payer pour ses services. C'est tout. C'est tout ce que je sais. T'es sûr que t'en sais pas plus? Arrêtez! Non! Pas encore! Je vous en supplie, arrêtez! Je vais te vous dire, arrêtez! Tu te souviens d'autre chose? Il utilise une société de réfrigération comme couverture. Les camions distribuent des armes dans toute la ville. Le nom de la société? North! North Refrigeration! Merci. Allez hop, un coup de genou, ça fait plaisir. Enfer sur Terre, petit trophée. Alfred, d'accord. J'ai besoin de tout ce que vous pourrez trouver sur North Refrigeration. Très bien, puis-je vous demander pourquoi? C'est le pingouin qui fournit le chevalier d'Arkham. Et pour l'heure, il est ma meilleure piste pour trouver Barbara. Je regarde tout de suite, monsieur. Ah, je vois que monsieur Fox essaie de vous contacter. Lucius? Monsieur Wayne, votre nouvelle amélioration pour la Batmobile est fin prête. La Batwing est en route vers Grand Avenue. Et oui, parce que on pouvait choisir deux améliorations pour la Batmobile. Monsieur, j'ai découvert que le chevalier d'Arkham utilisait un programme pour émettre à partir de votre gantelet. Rassurez-vous, toutes nos communications sont bien cryptées. Dois-je le bloquer pour éviter toute intrusion future? Gardez le canal ouvert, Alfred. Plus il parle, plus j'en apprends sur lui. Très bien, monsieur. Voilà, merci Alfred de me laisser parler. Oui, donc on avait le choix entre deux améliorations. Une amélioration d'armes pour faire plus de dégâts avec, avec les canons. Ou on avait une autre option, c'était un dispositif pour mettre un virus dans les tanks ennemis pour les forcer à se tirer entre eux. Enfin, pour se tirer dessus entre eux plutôt, voilà. Et c'est ça que j'avais choisi la dernière fois. Parce que niveau puissance de feu, pour le moment, on n'a pas forcément besoin de... On n'a pas forcément besoin de... De plus de puissance de feu, on a ce qu'il faut pour le moment. Chassons un avion qui fonce vers Grand Avenue. Ce truc vient de virer à 180 degrés avec une pointe à 12G. Je connais personne capable de faire ça. Moi si. Prenez votre risque, c'est que de partir en guerre. Bah, j'espère que j'ai pris le bon choix. Hein. Pour le système de reconnaissance ami ennemi des drones de la milice. L'appareil infecté vise les autres drones au lieu de viser la Batmobile. Lorsqu'il est déployé à un niveau d'énergie élevé, le virus peut infecter plusieurs cibles. Ok, donc virus pour drone, virus polymorphe transmis par onde, l'unité infectée prendra pour cible d'autres drones. Comment ça fonctionne? Avec quoi? Je le tiens! La cible est sur Grand Avenue! Ah, déjà? Chef, j'ai perdu le contrôle d'un drone. Il pirate mes protocoles de commande. Envoyez des unités pour l'intercepter. Arrêtez-le! Drone tient la position sous le feu ennemi. J'ai perdu un drone. Blindage tient. Rate-leur HS. Sergent, je vois que la tour passer. Rondement bas, piraté. Drone hors ligne. Cette fois, tu ne feras pas le droit.
Oh, c'est sympa. Monsieur, j'ai fait des recherches sur North Refrigeration, comme vous l'avez demandé. On dirait que Maître Grayson enquête sur le sujet depuis un moment, déjà. Bien. Dites-lui de m'envoyer ce qu'il a. Il insiste pour vous voir en personne, monsieur. Il est parti de Bloodhaven avec les informations requises. Il vous retrouvera sur le toit qui surplombe la gare maritime de Ranlag. Merci, Alfred. En attendant, monsieur, si l'on en croit les analyses, le chevalier d'Arkham a posté ses lieutenants dans les transports blindés répartis à travers la ville. Nous avons l'un de ces véhicules en ligne de mire. Si vous voulez intervenir pour l'éliminer de l'échiquier. Blindé dangereux. Ah, encore des missions secondaires, d'accord. On va sélectionner la mission. On va. Ah, sélectionner cette mission. Voyons ce qu'a Nightwing sur North Refrigeration. Si je trouve le pingouin, je trouverai le chevalier d'Arkham. Tout à fait, monsieur. Maître Grayson vous attend en haut du bâtiment qui surplombe la gare maritime de Ranlag. Ce truc va nous broyer. Bouge. Je suis à fond là. Alors, encore en train de rôder sur les toits? Tu n'aurais pas dû venir. Pas ce soir. Tu plaisantes ou quoi? Quand j'ai su pour Barbara... North Refrigeration. Dis-moi ce que tu sais. Le pingouin fait sortir des armes de Bloodhaven dans des camions frigo. Je pense qu'il stocke les armes ici, à Gotham, mais la question est où? Cobblepot est notre meilleure piste pour Barbara. Il faut que je trouve cette planque d'armes. Si je peux intercepter un camion, il me mènera droit à eux. Hein. Si seulement tu connaissais quelqu'un qui a noté leur trajet. Quoi? Tu pensais quand même pas que je viendrais là sans avoir un plan? Je m'en occupe. Il faut que tu regagnes Bloodhaven. Allez, Bruce. Laisse-moi t'aider, tu peux pas tout faire tout seul. C'est trop dangereux. Je ne veux pas perdre qui que ce soit d'autre. Bloodhaven te réclame. D'accord. J'ai compris le message. Si tu veux garder un œil sur ce camion, utilise ça. Tu as sous les yeux un prototype dernier cri. Le vieux Fox s'est surpassé sur ce coup. A bientôt, Bruce. Ok, brouilleur, capacité de sabotage d'armes et d'équipement, système de pistage de véhicules en fuite. Ok. Je peux désactiver leurs armes grâce à la fonction sabotage du brouilleur. Allez-y, servez-vous! Je n'ai droit qu'à 3 tirs. Je dois bien choisir mes cibles. Ah, tout a été payé. La caisse est électrifiée. Ceux qui essaieront de se ravitailler vont avoir un choc. Le type qui a tué mon frère. Et toi, celui qui a refait la tronche de mon pote. Est-ce que j'en fais tout? L'arme est neutralisée. Si j'utilise à nouveau le brouilleur, elle explosera au tir suivant, assommant l'utilisateur et renversant tout le monde à proximité. Bon, Dent, comme si j'allais te le dire. C'est quoi ton problème? Ça y est, j'ai saboté l'équipement. Je n'ai plus qu'à me présenter. Je me rappelle quand le pingouin nous a recrutés. Il s'est... Écoutez, il nous a offert un gros paquet de fric si on bossait pour lui. Il avait l'air sympa. C'est Star Papa, mais t'es complètement dingue. Enrayez, merde. Tu ne peux pas me toucher. Il y a des flingues. Ah non, il n'y a pas de flingue. Ouf. Dodo, merci. Voyons,
un camion rempli d'armes et d'explosifs. Je peux utiliser la fonction pistage du brouilleur pour marquer le véhicule et le suivre dans Gotham. Bien, je n'ai plus qu'à les motiver un peu pour qu'ils me mènent à leur repère. Qu'est-ce que t'as oublié ? Non, non, non ! C'est Batman ! Dégage vite de là ! La subtilité, le bruit de la voiture pourrait leur faire peur. Je dois les suivre. Le marquage du véhicule reste effectif, et ce, même à travers les bâtiments. Mais il faut que je garde la cible en vue et à portée. Mais qu'est-ce que tu fais ? T'essayes de nous tuer ? C'est Batman ! Il faut qu'on se tire d'ici ! Où est-ce qu'on va ? On rentre à la planque ! Non mais ça va pas ! Ça mènera tout droit à Cobblepot ! Alors je fais quoi ? Contente-toi de rouler ! Je dois suivre ce camion pour trouver le dépôt d'armes du pingouin. Est-ce que tu le vois ? Je conduis, là ! Ok, ok, je le vois pas ! Tu crois qu'on la se met ? Mais qu'est-ce que j'en sais ? Continue à regarder ! Il faut qu'on en soit sûr avant de rentrer ! C'était à l'épouvantail de s'occuper de cette foutue chauve-souris. Ah. Blasphé. Ah, tant mieux. Retourne à la planque avant qu'il nous retrouve. J'y crois pas. On a réussi. Batman, tu parles. Complètement surfait. Même contre ce tas de ferraille, il a rien pu faire. Personne nous a suivi. Batman a essayé, mais on lui a fait plus. Ils m'ont mené tout droit au stock d'armes du pingouin. Le boss veut nous parler. Et il n'aime pas tant l'enlever. Là, je suis Putain, c'est quoi ce truc? Enfin, c'est vrai que, là, j'y suis allé un petit peu de la fleur au fusil. Mais, c'est bon. Fini, héros. Adieu. On va essayer de se la refaire de façon propre et appropriée.
gars. Tout va bien? Ouais, c'est que du bonheur. Vous trouvez pas? Pas de panique. On essaie de pas se perdre de vue, ok? Hein? Ce type, il est mort? La passerelle. Allez, vite. Il va s'en remettre. Je te couvre. Pas encore. On garde son sang-froid. J'ai peur. Allez. Ça, ça nous aide pas des masses. Mais si on capitulait? Tu peux pas. Pas avec lui. On peut plus rien faire. Continuez. Que quelqu'un me couvre. Je vais voir comment vont les blessés. Ok, dépêche. Batman en a fumé un autre. Mais c'est pas vrai! Comment il se débrouille? Je le vois, il est par là! Par là, il essaie de fuir! Le toit était lourdement gardé. Il s'agit sûrement du point d'entrée. Ouais, on va aller désactiver les petites tourelles là. Parfait. Ah non, ça va se trouver. Un peu plus bas. Encore plus bas ? Fais quelque chose. Tu me fais un peu honte, là. Et fais-moi plaisir, raconte-les. Oh, ça sent bon. Bordel, ça sent bon. On fait quoi, Batman? 35. Batman, ne t'en fais pas pour Batman. Son espèce va bien tout s'éteindre. Ouais, on l'a fait. C'est terminable. Je vous l'avais bien dit. Il n'a même pas pu vous rattraper dans ce camion ridicule. On le surestime. Enfin bref, écoutez, j'ai quelque chose à vous dire. Comme vous le savez, les Sams font le cul sur la dimanche. On s'est associé aux autres barjots pour tuer la chauve-souris tous ensemble. Je sais, ça y est. Chut, ça va être génial. Il ne sait même pas que tu es là. Vas-y. Vache, regarde-moi ça. Allez hop. Le chevalier d'Arkham, Barbara Gordon, dis-moi où ils sont. Alors c'est elle la captive. La petite fille chérie du commissaire. Ah, pas mal. Je vais briser tous les os de ton corps, Cobblepot. Ils allaient voir un vieux crouton, Simon Stagg. Je crois qu'il dirige une société pharmaceutique ou un truc comme ça. Je te préviens, ne me mens pas. Ouais, ça va partir en baston. Je te jure, on dit qu'il va quitter Gotham. C'est dirigeable au-dessus de la West River. Ouais, ça commence à prendre des armes, là, déjà. Relâche-le! On va tirer, Batman! Ça ne servira à rien. L'épouvantail va te détruire. Tu es fini. Oh, mais en gros... Tenez-le bien, les gars. J'ai bien bossé mon crochet. Admirez ça.
Je vais lui démonter la tête d'un seul. C'est comme ça que tu gères la situation? T'en fais pas, c'est la moindre des choses. Et il va y avoir des combos à deux à faire. Ah oui, c'est vrai que... Aucune de ces armes ne doit arriver dans les rues. Cet entrepôt doit être détruit. Détruire le dépôt d'armes du pingouin. Ouais. Comme au bon vieux temps, hein. J'arrive juste à temps pour te sauver les miches. Boss, tu dois me laisser t'aider. J'avais les choses en main. Je te l'ai dit, j'ai besoin de toi, Bloodhaven. L'épouvantail, ces armes, ça concerne aussi Bloodhaven. C'est ici que je dois être pour aider. Écoute, avec la quantité d'armes que le pingouin fait circuler dans la ville, il y a forcément autre chose. Il doit avoir d'autres dépôts cachés dans la ville. Cherche des indices ici qui pourraient nous permettre de localiser d'autres camions réfrigérés du pingouin. Espèce de minable. Le moment est venu de lui régler son compte. Non, mais franchement... Je parle même pas du monocle. Il croit sûrement que ça lui donne l'air plus menaçant. Fermer la porte de la chambre forte contiendra l'explosion. Qu'est-ce que tu fais, Batou? S'il te plaît, m'enferme pas là-dedans. Je ferai ce que tu voudras. T'as besoin de faire une lessive, je m'en occupe. Si je vais dans le train, pas de problème. Je voudrais pas être à la place de ce type. Il est vraiment bizarre et tordant en même temps, lui. Je dois m'éloigner davantage avant de déclencher l'explosion. Ah bon? Mais faut se mettre où? Briser la glace, un petit point. Petit trophée. Ok, très bien. Où est-ce qu'on doit aller du coup maintenant? Je vais chercher Barbara. Je te contacterai dès que j'aurai repéré un des camions du pingouin. Merci, Dick. J'apprécie ton aide. Ça sert à ça, les amis, Bruce. Eh ben, qui l'eût cru? La vieille équipe de nouveau réunie. Va voir ces dirigeables. Je contrôle la situation ici. D'accord. On te laisse gérer la situation. Alfred, trouvez tout ce que vous pouvez sur Simon Stagg. Le mania de l'industrie pharmaceutique? Bien, monsieur.
Alors, voyons un peu comment ça se présente. Dis donc, c'est une bonne vieille embuscade. Attends ici, Batou. Laisse donc ton cher oncle Joe se charger de ces imbéciles. Je vais y arriver, même si ça fait longtemps. C'est parti ! Tirez ! Fais à volonté, allez ! Comment on va se sortir de ce pétrin? Ne me regarde pas, je ne suis qu'une voix dans ta tête. Exact, comment on va faire pour s'en sortir? Ah bah... Il faut que je trouve une bonne position de tir pour déjouer l'embuscade de la milice. Est-ce qu'on l'a eu? Je sais pas, je crois que oui. Va vérifier, trouve le corps! Non, vas-y toi. T'as dit que tu l'avais touché? Non, je me suis trompé. C'est toi qui l'as eu. T'es un sniper et moi, je suis plutôt du genre qu'on va rapprocher. Depuis quand? Depuis maintenant. Alors, on fait quoi? On attend de voir? T'es sûrement mort de toute façon. Évidemment, des professionnels. Mais t'as aucune chance. Exactement. Je dois rester à portée de la commande à distance. J'ai hâte, je déteste cet endroit. Il pleut sans arrêt et ça pue en permanence. Ah ouais, non. Parking ici, ok. Centrale, répondez. Ici Falcon 4. Visuel confirmé sur un des pompiers disparus. Il est détenu dans le secteur de Grand Avenue. Terminé. Rien ne bouge par ici! Je rentre pas là-dedans. Il nous attend, j'en suis sûr. Le problème c'est que je trouve vraiment que les phases plateforme avec la Batmobile, c'est pas évident parce que vraiment la Batmobile c'est une savonnette. Hein. Ok, c'est bon. Ah non, il y en a deux. Voilà. Personnellement, j'aurais utilisé de vraies balles. Ok, bon. On s'est sorti d'un bon mauvais pas. Alfred, qu'est-ce qu'on sait sur Simon Stagg?
Voyons. PDG de Stag Enterprise, une société spécialisée en recherche et développement médical de pointe. Je suis en route pour les dirigeables de Stag. L'épouvantail s'y rendait et c'est la seule piste qu'on ait pour retrouver Barbara. L'analyse des menaces indique que Founders Island est couverte des lance-missiles et des radars longue portée de la milice. La Batmobile sera détectée et prise pour cible dès que vous aurez franchi le pont. Ne vous en faites pas, Alfred. Je vais y aller à pied et rester sur les toits. Essayez de me trouver les plans de ces dirigeables. Tout de suite. Bonne chance, monsieur. Très très bien. Trouver un moyen d'infiltrer les dirigeables de Stag Enterprise. Monsieur, le dirigeable de Stag a été attaché. On le ramène vers nous. Bien. Allez-y. Trouvez Stag et interrogez-le. Lieutenant, je vous attribue une unité en plus pour la protection. Qui est-ce qu'on protège ? L'épouvantail. Le chef volontaire bord. Gotham occupé. D'accord. Ah ouais, c'est vraiment occupé. Hein. Le héros qui était juré de sauver Gotham, l'homme qui a voué sa vie à protéger ses habitants. Toutes ses promesses en l'air. Ah ouais, quand même, ouais, il a des... Putain. La première fois que je l'ai vu, c'était au camp d'entraînement, quand il a fait son discours. Une demi-seconde, j'ai cru que c'était Batman. La Batmobile ne peut pas se rendre toute seule ici. S'est emparée du dirigeable de Stag et a établi une tour de guet munie de tourelles. Elle semble être contrôlée depuis ce poste de commande centrale. Je dois le neutraliser. Ce soldat est muni d'un appareil qui peut tracer le système du mode détection. Si je l'utilise trop longtemps, il me localisera et alertera les autres. Waouh. Ok, détruire la tour de guet qui surveille les dirigeables. Là, ça va être... Ça va être chaud. Ça va être chaud, mais on verra ça la prochaine fois, les amis. Parce que je sens que on va pas se faire plaisir à ce moment-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas le soutien. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour la suite, les amis. Ciao, ciao.